بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. Reprend le cours sur les polynômes. On s'est arrêté sur les degrés, je crois. On continue avec la division euclidienne. Division euclidienne. Le théorème dit que pour tout polynôme A et pour tout polynôme B non mu, le polynôme par lequel on divise en non mu, il existe un unique couple de polynômes que A égale BQ plus R avec degré de R inférieur strictement à degré de B. Tout de suite, des remarques s'impose. Le théorème dit que le problème avec deux conditions, égalité A égale BQ plus R et degré de ce qu'on appelle S, le R c'est le S, hein, degré de R inférieur strictement à degré de P. Si on ne tient pas compte de la deuxième condition, ben l'égalité peut s'écrire de différentes façons. Un petit exemple quand même. X carré par exemple, si on le divise par x, on peut écrire de différentes façons. Diviser, c'est pas diviser, mais écrire sous la forme bq plus r. Je peux déjà l'écrire x fois x plus 0 par exemple. Je peux l'écrire aussi en x, bq, je le prends 2x, et donc le reste c'est obligatoirement moins x carré. Je peux faire ce que je veux. X carré, c'est x fois n'importe quel polynôme. Bon, je prends par exemple x3. Et bien, je le retranche immédiatement. Moins x4 plus x carré. Plus x carré. Donc là, j'efface ça. Ah, ça, c'est le reste. C'est x carré moins x4. Voilà, plus c'est. Bon, là, c'est parce que j'oublie la deuxième condition. On remarque ici que le R, c'est degré 2, alors que le B, c'est degré 1. Hein, le R, ici, c'est degré 4. Ça dépasse de l'un. Donc là, ça montre que si on oublie la deuxième condition, il n'y a pas d'unicité. Pour la démonstration, je n'ai pas vraiment la démonstration, mais je la traite en même temps avec un exemple. Ça me permettra de gagner du temps. Exemple, je divise, bon, je prends déjà, parce que l'algorithme est suivant, je prends le polynôme A égale x4. Moins 3x3 par exemple, plus 2x en moins 1. Je le divise par x carré plus x plus 1. Alors là, le a c'est ce polynôme-là. Le b c'est celui-là. Alors de façon générale, oublions pour le moment ce polynôme. Hein. L'algorithme, qu'est-ce qu'il dit? On commence par écarter le cas où le degré de A est inférieur strictement à celui de B. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, cette condition qu'on a écrite là, elle ressemble
à la deuxième condition de notre problème. Degré de R inférieur strictement degré de B. Et là, on a envie immédiatement de prendre pour R le polynôme A. C'est ce qu'on va faire. Donc, écrivons A égale B fois quelque chose plus le R, ce sera A. Bon, à votre avis, c'est quoi quelque chose? Ben, c'est obligatoirement le 0, puisqu'en simplifiant par le 1, ça nous laissera B fois égale 0. Hein? D'accord? Immédiatement, si on cherche le Q, hein, c'est 0. Donc là, A, c'est B fois 0 plus 1. Ça, c'est lorsque le degré de A est inférieur strictement de B. Sinon, c'est-à-dire lorsque le degré de A est supérieur au degré de B. C'est la situation dans laquelle on est. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on suit un algorithme. On commence par prendre le monome du plus haut degré dans 1 et le diviser par le monome du plus haut degré de B. Ça nous donne ici exactement x au carré. Hein? C'est donc, que j'ai montré, ça c'est la première équation, Q moins 1. Ce que je vais écrire là, c'est Q1 fois B. Vous excusez la maladresse ici. Hein? Q1 fois B, ça nous donne un polynôme que j'écris là. Ben, ça donne précisément x4 plus x3 plus x au carré. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bien, je n'ai qu'à faire la différence là. Ça me donnera donc a moins q1 fois b, qui est, bon, la valeur, je l'ai montré ici. Alors, retranchons, hein. Moins 3, donc ça fait moins 4x fois. Moins x carré plus 2x moins 1. Alors, on n'oublie pas d'ordonner à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Vous remarquerez que là, j'obtiens un polynôme que je montrais en 1, par exemple. Ce que je vais faire par la suite, c'est reprendre le même schéma. Hein. Ce que j'ai fait pour A et B, je vais le faire maintenant pour A1 et B. Et ça va encore faire descendre la puissance. Là, de A à A1, on a fait descendre hein, le degré. Là, c'était 4, là, c'est 3. Et de proche au proche, en proche, ben, on va parvenir à un polynôme là. Je ne sais pas quelle étape, mais un polynôme avec un degré qui sera inférieur strictement au degré de B. Et là, j'arrête l'algorithme. C'est ce qu'on veut. Un degré de reste hein, qui est inférieur à un degré de B. Donc, ce que j'ai fait pour A et B, je le reprends pour A1 et B. Alors, donc, je prends le monome du plus haut degré dans A1. Je divise par celui. Le monome du plus haut degré de B, ben, ça me donnera 1 plus moins, c'est moins 4 fois x. Et je fais la même chose, d'accord? Moins 4 fois x, enfin ça, d'accord? Et ça me permettra de faire descendre la puissance. Donc là, moins 4x fois B, ça me donnera donc moins 4x3 moins 4x carré moins 4x. Et je fais la différence. Ça avec ça, c'est 0. Voilà, ça fait plus 4 moins 1, c'est 3x carré. Alors là, c'est plus 2x plus 4x plus 6x moins 1. Je continue la même chanson. Ça, c'est un 1-2. Bon. Mon nombre du plus haut degré, c'est 3x carré. Par x carré, ça me laissera donc plus 3, tout simplement. Alors là, j'effectue le produit de 3 par b. 3x carré plus 3x plus 3.
la différence dans ces 3x moins 1 moins 3 moins 4. Donc là, je ne suis pas venu à 17 degrés, ça c'est degré 1, ça c'est degré 2. C'est ce qu'on veut, c'est notre reste. Et tout ça, c'est l'équation. Hein, ce que je lis là, c'est A égale BQ plus 1 plus R. Ça donne un petit peu une idée sur l'algorithme que je n'écris pas, on n'a pas le temps. Si vous traitez, prenez n'importe quel polynôme, vous le divisez par n'importe quel polynôme. Exercice, vous divisez en division euclidienne de x4 plus 1 par x carré plus 1, hein, par exemple. Des petits exemples, hein, suffisent. Ça, c'était à propos de la division euclidienne. Bon, une remarque dans votre théorique. Un cas très intéressant dans l'égalité que vous avez ici, 1 égale BQ plus R, c'est lorsque le reste est égal à 0. Alors, dire que le reste est égal à 0, c'est dire que A s'écrit BQ. Ce qu'on voit ici donc, c'est que B, hein, divisera A. Donc, on va écrire. Quand est-ce que B divise le polynôme A? Eh bien, si seulement si le reste dont la division, on va prendre l'habitude de la montrer 2 comme ça, division euclidienne de A par B est nulle, égale à 0. Égale à 0, ça veut dire A égale BQ, ce qui veut dire exactement que B divise A. Va parler maintenant de la fonction polynomiale associée à un polynôme. Un polynôme P qui s'écrira par exemple A0 plus 1x plus etc. ANxN. J'avais dit que x, c'est ce qu'on appelle une indéterminée et que par la suite, on va lui substituer des objets mathématiques, disons. Alors pour le moment, on se contentera d'une variable réelle ou complexe, essentielle dans le cas. Et ça nous engendrera une fonction qui va aller de K vers K. À la variable x, j'associe la valeur A0 plus l'essentiel dans votre indéterminé grand x. Hein, vous lui substituez la valeur petit x. Ça nous donnera donc une fonction qu'on notera est-il. Donc chaque polynôme P, on va lui associer la fonction P automatiquement. C'est ce qu'on appelle fonction polynomiale associée. Et la fonction polynomiale associée à ça, c'est une définition.
Alors, de façon théorique toujours, on efface donc A, une grande application, disons, qui va aller de l'ensemble des polynômes à coefficient dans K vers l'ensemble des fonctions de K vers K. Il y a un polynôme P associé, fonction polynomiale associée, petit. Alors, il s'avère que c'est une bijection. Cette application-là est une bijection. Non seulement c'est une bijection, mais elle va transporter la structure quelque part. Hein. Précisément, si vous prenez là deux polynômes P et Q, que vous faites la somme, on obtient un polynôme. La fonction polynomiale associée à ce nouveau polynôme P plus Q, hein, ce n'est que celle associée à P plus celle associée à Q. Avec un exemple, c'est mieux. Hein. Je prends P, c'est x tout simplement. Q, c'est x carré plus 1. C'est quoi la fonction polynomiale associée à P? C'est la fonction qui a x associée à x, c'est l'identité. Hein. La fonction polynomiale associée à Q, c'est à x, j'associe x carré plus 1. Le polynôme P plus Q, ce n'est que x carré plus x plus 1. Donc, par définition, la fonction polynomiale associée, c'est à x, j'associe x carré plus x plus 1. Et ce que je vois immédiatement là, c'est que c'est p-tilde, c'est, bon, je commence par ça. Ça, c'est p-tilde de x plus q-tilde de x. Hein? Donc, ce que j'ai dit là, c'est que p plus q, le tout-tilde de x, l'image là, c'est p-tilde de x plus q-tilde de x, c'est p-tilde plus q-tilde de x. Et donc, ceci, quel que soit x, ça me permet donc de dire que la fonction f ici, par exemple, c'est la fonction g. C'est ce que j'écris là. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les propriétés algébriques. Bon, là, je n'ai fait que la somme, mais pareil pour les combinaisons linéaires. Hein, vous vous souvenez peut-être de ça. Si je prends des scalaires alpha et bêta dans K, eh bien, la fonction polynomiale associée à la combinaison, c'est la combinaison des fonctions polynomiales associées. C'est simple, c'est la même chose. Et même chose pour le produit, hein, si vous faites P fois Q, hein, là ce sont des propriétés algébriques, hein, fois Q tilde, et vous pouvez aussi traiter la composée, mais ça, je passe tout ça. Alors ça, j'ai dit que c'était une bijection qui permet de transporter la structure comme ça, mais ça nous permettra, hein, lorsqu'on est face à des situations comme ça nous permettra d'identifier, hein, le P avec le petit, c'est-à-dire l'objet avec son image sur le compte. D'accord? Et donc, par la suite, c'est ce que je vais faire. Donc, au lieu d'écrire par exemple petit et j'affecte à la variable indéterminée x1, au lieu d'écrire ça j'écrirai tout simplement sans le tilde, sans le jamais avec le tilde. D'accord? Donc, remarque. Ceci justifie l'écriture disant ceci, ça veut dire ça, une bijection avec le transport de la structure.